La peinture et la gravure sont deux approches très différentes. En peinture, on trempe son pinceau dans la couleur, on l'applique sur la toile, on voit tout de suite le résultat. On peut tout changer si ça ne nous plaît pas, alors que pour la gravure, il faut vraiment planifier son travail de A à Z et respecter les étapes. Il faut avoir un certain ordre de travail. La première fois que j'ai fait de la gravure aux Beaux-Arts, j'ai trouvé que c'était très ennuyeux. On avait un professeur qui avait une manière assez académique de l'enseigner. Et pour lui, la gravure, c'était la taille douce, rien d'autre. Et donc j'ai pensé que la gravure, c'était uniquement un moyen de reproduction d'images avec un style assez précis. Et c'est en étudiant ensuite à l'école des Beaux-Arts de Braunschweig que j'ai vraiment découvert ce que c'était que la gravure et que c'était un univers aux possibilités infinies avec des techniques très intéressantes, avec des façons de rendre des traits très divers. Et on nous encourageait là-bas beaucoup à expérimenter avec les encres, avec la matière, avec les morsures. Et c'est là que j'ai compris finalement que la gravure était moins un mode de reproduction qu'un mode d'expression artistique à part entière. En ce moment, je suis en train de travailler sur une scène extraite du roman de Fauvel, qui est un roman du XIVe siècle, une critique politique. Et je travaille sur la scène du Charivari, qui est une espèce de carnaval médiéval où les gens sont vêtus de peau de bête, tape sur des instruments de toutes sortes. Le but était de faire le maximum de bruit en fait. Donc je réinterprète les compositions des enluminures d'origine pour essayer de montrer cette espèce de côté un peu fou, un peu anarchique de cette manifestation médiévale. La gravure, c'est un travail qui est assez physique. D'une part, parce que ça nécessite un certain effort pour faire pénétrer l'encre dans les tailles, surtout sur des grandes plaques. Le travail d'essuyage n'est pas toujours facile parce que l'encre est visqueuse, la tarlatane s'accroche à la matière. Il faut faire ça progressivement. Et d'autre part, pendant tout le processus, on est extrêmement concentré. Par exemple, quand on imprime en plusieurs couleurs avec des différences de viscosité d'encre, ça nécessite une concentration énorme. Parce qu'il faut savoir exactement ce qu'on veut faire, le résultat que l'on veut obtenir. Les couleurs doivent être appliquées selon un certain ordre. Les couleurs visqueuses, plus visqueuses l'emporteront sur les couleurs plus diluées. Donc, si on fait une erreur en appliquant les couleurs, ça peut changer complètement la donne et on a un résultat qui est complètement différent de ce qu'on voulait avoir.
C'est mieux. Durant toutes les étapes de préparation de la plaque, on reste extrêmement concentré, on a tout prévu, chaque chose a été étudiée attentivement. Mais il reste quand même une grande part de mystère et ça, on la découvre au moment de la pression. C'est au moment où on retire le papier après le passage dans la presse. Qu'on va voir si l'image finale correspond à l'idée qu'on s'en était faite au départ.